Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. On se retrouve pour la partie 2 des blocs 30-30 de mon vide atelier. Donc bloc 30-30 et quelques petits trucs. Et après, il y a d'autres choses que je mettrai, mais au fur et à mesure. Voilà, c'est déjà ça et on fera peut-être une partie 3 du coup. Donc partie 2, parce que c'est les blocs 30-30. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Il y a des prix pas trop chers. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail. Donc les conditions, c'est soit PayPal. Je vais peut-être les mettre sur Vinted après. On peut faire du mondial relais. Voilà. On peut s'arranger entre nous. Donc voilà. Je vide mon atelier. Parce que j'ai beaucoup d'affaires et que je me sers pas. Et que je préfère que ça profite à une autre scrapeuse ou à quelqu'un qui débute pour s'en servir. Voilà. Donc je vais commencer par du coup le lot. On s'en était arrêté au 38. Donc le lot 39, il est complet. 1,50€. C'est la marque Design Block. Il était 4,50€ en France. Donc là, il était à 1,50€ à Nose, je vous mens pas. Et voilà. Donc il y a 24 feuilles, si je me trompe pas. Avec deux fois 24 motifs, double face. Donc je vous le fais voir. Donc, je vais me mettre comme ça. Ça sera peut-être plus facile pour moi de vous le faire voir. Il est neuf. Hein. Donc il y a cette page là. Cette page là. Donc du coup c'est la même page. Voilà, pareil. Donc les ours et les maisons comme ça. Attendez, je vais vous mettre comme ça celui-là. Ce sera plus facile pour le faire voir. Donc là c'est les ours. Là c'est les maisons. Là c'est les ballons. Il est thème naissance hein, celui-là. Là il y a tous les animaux. Voilà, j'essaie de vous faire voir bien. Mais si vous voulez des photos, pareil. Hein. Hop. Là, il y a les animaux, vous les voyez à l'envers. Mais du coup, il y a un ours, un renard, un petit hérisson. Un petit hérisson, pardon. Donc voilà, dans les couleurs un peu roses. Voilà. Je sais pas si ma caméra ressort la même couleur. Donc voilà, avec des fleurs là, de ce côté-là. Là, c'est les renards. Je pense que vous les voyez, hein, même si je suis à l'envers. Là, c'est tout un fond. Voilà. Avec, voilà, là, c'est encore les renards. Là, c'est des petits pois, donc ça peut servir. Elles sont un peu plastifiées, je dirais, les feuilles. De bonne qualité, hein. Dur. Ça, c'est joli, hein, toute la forêt, là. Voilà. Il est très joli, ce bloc, hein. Dancing the rain. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est des arcs-en-ciel. Il est magnifique. Voilà, c'est la même page. Là, c'est Dream Big avec le gros petit ours et les lunes et les étoiles. Là, pareil. Là, pareil. Là, c'est les étoiles, les constellations. Là aussi, étoiles, constellations. Étoiles filantes, constellations et tout. Là, c'est comme s'il y avait de la pluie. Là, il y a un hibou en plus. Un gland, un hibou. Un ours, des arbres. Voilà. Je pense que vous voyez quand même. Hein. Vous voyez, hop. Là, c'est comme de la pluie. Et là, c'est les maisons. Voilà, maisons. Là, deux grands renards. Un hérisson, là les maisons, pareil, et là les petites étoiles comme on peut voir, des grandes, des petites étoiles et des grandes étoiles. Voilà, donc il est complet, il a 24/24, c'est le lot 39, il est à 1,50€. Il y a le lot un peu, il y a le bloc à peu près de la même marque, hein. Donc là c'est le Boohoo, je vais l'appeler comme ça. L'autre, je l'ai appelé bébé. Là, je l'ai appelé Boohoo. Je vais vous le feuilleter comme ça. Ça, on va le voir un peu. Voilà. Hop. Hop. Hop.
comme ça. Hop, hop. Ils sont assez lourds, hein. C'est pour ça que je peux pas trop les porter, je vous avoue. Donc ça, à mon avis, si vous prenez des lots comme ça, avec Mondial Relais, il vaut mieux passer par Mondial Relais, je vous le dis, moi. Il est joli, hein, mais je ne saurais pas quoi en faire. Et je crois que j'en ai pris deux, donc un, ça me suffit, je crois. Il faut faire des choix. Regardez-moi celui-là, comme il est joli, avec les petits... Bon. Bref, je ne sais pas si c'est des lamas, des dromadaires. Je dirais dromadaires ou chameaux. Ouais, je dirais dromadaires. Et voilà. Oh, bah j'ai fait tomber un... quelque chose. Je ramasserai après. Voilà. Les petites plantes, les petites tentes, les mots enjoy the little things. Voilà. Et les masques. Il est très ethnique celui-là, hein, je dirais. Voilà. Il est vraiment joli. Hein. Et c'est du papier un peu glacé. Donc pareil, j'en ai pas touché. 24 sur 24. L'eau 40, il est à 1,50€. Ensuite, le lot numéro, comment il s'appelle? Bah 41 du coup, j'ai un. Fruits d'été. Voilà, c'est à peu près tout ça comme papier. Je vous les feuille vite fait. Vous voyez, hop, fruits d'été. Si vous avez besoin de voir plus, vous me dites. Oui, vous voyez, elles sont plastifiées, elles sont épaisses, hein, les feuilles. Voilà. Fruits d'été, donc du coup, c'est 1,50€ et il y en a 24 sur 24. Et c'est le lot 41. Le lot 42, on arrive au bloc action. Le Floral Feelings, il y en a 23 sur 24. C'est les blocs 30-30. Et voilà. Donc je vous le feuillette. Donc c'est recto verso, on le sait, hein. Du coup, voilà. Ça, c'est des blocs de chez Teddy, les autres d'avant. Vous voyez, il est magnifique, hein, mais moi, je ne savais pas quoi en faire. J'aime le fleuri, mais... Je crois que je l'ai plusieurs fois aussi. Il est beau, hein, il est magnifique, hein. Je vous fais le yet vite fait, mais je sais qu'il est magnifique. Et que c'est ton pastel un peu aquarellé, là. Il est magnifique, mais bon. Voilà, donc celui-là c'est le Floral Feeling. Il y en a 23 sur 24, il est à 2€. C'est le lot 42. Le lot 43, il est à 2€, il y en a 17 sur 24. Et c'est le Lovely Basic. Je m'en étais servi, je crois, pour un album pour mon père. C'est plus un bloc un peu masculin, je dirais. Ou ado. Faut faire des jolies cartes, quand même. Après, je dis ça, mais... Et hop, ça revient. Ah oui, ça revient non plus. Donc, le Lovely Basic, il y en a 17 sur 24. Et il est à 2€. Le Bright Fresh Nest. Il y en a 20 sur 24. Il est à 2€ aussi, pareil. J'ai mis derrière, hein, je suis désolée. Après ça, on peut s'en servir, hein, pour faire les couvertures d'albums. Il est très joli, hein, très printanier, très joli. Mais moi, c'est très très rétro. Hein, donc, j'en ai peut-être un autre en plus. Donc, ouais. Il est très joli, hein. Il est joli, hein, mais je m'en servirai pas. Donc voilà, je m'en suis servi de quelques feuilles et ça suffit. Et ça, c'est le lot 44, 20 sur 24, et c'est à 2€. Alors, le Pink Baroque, il y en a 26 sur 30, il est à 2,50€. Alors, ça, je sais que ça peut plaire à certaines personnes, le Pink Baroque, parce qu'il est magnifique. Mais moi, comment vous dire? Je sais pas, il y a trop de feuilles. C'est pas moi, quoi. J'ai dû me prendre, ouais, j'ai dû prendre une feuille, une ou deux feuilles là-dedans. Mais vraiment, c'est pas moi du tout.
Il est joli, hein, je dis pas qu'il est pas joli, mais vous voyez, il y a beaucoup de failles. Il faut aimer, quoi. Et franchement, il est joli. Dans les tons roses, on peut faire un joli album, je pense. Ou des jolies cartes. Ou des jolis tags, ou voilà. Oups. C'est que ça se décolle à force. Donc là, c'est le lot numéro 45. Il y en a 26 sur 30. Il est à 2,50€. Ensuite, le Flowering Blues. Il y en a 28 sur 30 et il est à 2,50€. C'est le lot 46. Alors, ceux-là, c'est les blocs foil. Comme on peut voir, une pas foil, une foil. Ça, ça peut servir pour l'hiver, quoi. Ouais, je m'en suis servi de quelques-unes. Mais vraiment, à mon avis, comme je vous dis, je me vois pas travailler ça, en fait. C'est joli cette page, hein, même avec les fleurs, même comme ça. Mais je me vois pas travailler, vous voyez, c'est assez chargé. Puis il faut que je me sépare certaines choses, donc voilà. Et hop, hop, et hop. Donc là, il y en a 2,50€ le lot 46 et il y en a 28 sur 30. Le lot 47. L'Inspiring Boho. Je crois que c'est que je l'ai deux fois. Donc je m'en sers pas. Donc le lot 47, il y en a 27 sur 30. Et du coup, c'est celui-là. Il est à 2,50€, c'est ça, hein. 2,50€. Hop, je vous ai pas fait voir le début. Hop, 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 hop. Oh oui, pardon, excusez-moi pour le hop. Il est joli, hein, je dis pas, hein, mais il est très très. Celui-là est joli comme papier. Voilà, hop, très attrape-rêve, tout ça. On s'est peut-être ouais, servi de quelques pages, mais franchement. Voilà. C'est pas mon truc. Inspiring Boho. Du coup, à 2,50€. Alors, le basique, il est complet de chez complet. C'est un foil. Il est à 2,70€. Voilà. 2,70€. Le basique complet. Alors là, ça va faire un peu mal à la caméra, vous voyez. Là, avec les petits cœurs en rose gold, il est foil rose gold. Il est magnifique, hein, mais les petits triangles rose gold, il est joli. Là, il y a des comme des mots en anglais, love in the hair, happy birthday, j'en passe. Donc celui-là, il est que les foils sont que recto. Voilà. Voilà. Donc c'est le basique. Il est complet, 30 sur 30. Donc il est à 2,70€. Il est basique. Oui, il est juste un peu corné là. Il est à 30 sur 30. C'est le vintage. Donc moi, il faut savoir que le vintage, j'aime le vintage, mais pas trop non plus, quoi. Donc j'essaie de vous le faire voir quand même. Là, il est joli avec les taches. Et je vais pas garder un bloc pour de papier que j'aime, quoi. Ça serait inutile. Ça se trouve, j'ai plusieurs fois aussi. Non, je pense pas. Il fallait faire un choix dans mes blocs. Voilà. Il est très joli pour celles-là qui aiment le vintage. Pour un album, tout ça. Il y en a qui le cherchent, quoi, encore, celui-là. Il est assez ancien, mais il est magnifique, hein. Magnifique avec les taches là. Vous voyez, hop, magnifique. Ah, celui-là, il est joli cette page là. Voilà.
Donc 30 sur 30, il est à 2,70€ et c'est le lot 49. Le lot 50, c'est 26 sur 26. C'est celui-ci. C'est un design, un bloc A4. Action Design Paper de Luxété. Il est à 3€. Et c'est le lot numéro 50 et il y en a 26 sur 26. Vous voyez, hop. Vous voyez, avec des cartes comme ça, des licornes. Je m'en servirai pas, donc... J'ai dit qu'il était complet. Oui, 26 sur 26. Vous voyez, il est même là... une page, voilà. Il est un peu avec des paillettes. La paillettasse sur la licorne. La paillettasse sur la licorne. Et hop, youhou. Et hop, la paillettasse sur la licorne. Donc ça, c'est le lot numéro 50. Et 26 sur 26, il est à 3€. Le lot numéro 51, c'est du papier de couleur pour bricolage pour les enfants. Donc si vous avez des enfants, ou même... il est lot numéro 51, il y en a... Je sais pas s'il y en a 100 encore. Hein. Vous voyez, mais il y a encore un bon paquet. Et il est à 2€. Voilà. Là, je vais voir à peu près les couleurs. C'est un bon paquet. Il est à 2€. Voilà. Ça a servi d'une ou deux feuilles. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre planche. J'ai fait tomber un tampon. C'est bien ce qu'il semblait. Le lot numéro 52. Alors le lot numéro 52, c'est des tampons plus des encres. Donc il y a l'encre rose. Vous voyez que j'ai payé 59 centimes. Que j'avais trouvé chez Action. Mais j'avais trouvé chez Nose du coup. Donc les encres roses. Les encres... orange, marron. Et les encres vertes, il est à 2€. Le bleu, vert, voilà. Et hop. Il est à 2€ parce que je mets aussi des tampons avec. Donc des tampons en anglais, le From. OMG. Tampon bois, je peux vous faire voir. Peut-être que je m'en suis servi une fois et encore, je suis même pas sûre. Le Best Day Ever. Désolée pour mon anglais qui est... Enjoy creating new ideas. Voilà. Et le far. Voilà, il y a 5 tampons plus ça. Ça, c'est 2€ et c'est le lot 52. Le lot 53. Alors, le lot 53, c'est des gel pens. Voilà. Donc des gel pens, je ne sais même pas quelle couleur il est celui-là. Il est vert. Donc je ne pense pas qu'il y a un blanc. Non, il y a un gris. Donc il y a 12 couleurs. Voilà. Je ne m'en suis même pas servi, je crois. Même pas testé. Donc il y a 12 couleurs. Je les ai payées 1,29€ chez Nose. Donc du coup, avec le puzzle plus les gel pens, sur le puzzle je vais payer un peu plus cher. Et du coup, j'ai fait le lot à 4€. Voilà. Donc du coup, il y a le puzzle à colorier qui est neuf, même pas ouvert. Il y en a 100 pièces. C'est style mandala. C'est des puzzles pour adultes, hein, mais je pense que vous pouvez les faire avec vos enfants. Vous voyez, il est neuf. Voilà. Et ça, c'est 4€ et c'est le lot numéro 53. Le lot numéro 54, c'est des perles à repasser et le lot perles à repasser. Donc pour faire ceci, des fleurs et des perles à repasser, c'est plutôt pour les enfants ou pour autre chose. Et des mandala kits, c'est autre chose. Il est dedans, hein, il est neuf, voyez, hop.
C'est juste la boîte qui est un peu cabossée parce que c'était dans les placards. Mais il est neuf. Je m'en suis pas servi. C'est pas mon truc en plus. Donc là, c'est des perles à repasser. Il y a le papier de repassage. Il y a la plaque d'assemblage. Voilà. Pour faire ceci. Voilà. Hop. Et c'est à 4 euros le lot. Ça plus ça, 4 euros. Voilà. Et bon, on va s'arrêter là. Non. On va rajouter un truc. Le lot Dice 6X. C'est le dernier. Donc ça, c'est le numéro 55. C'est le Dice 6X Dahlia. Voilà, vous pouvez voir. Il y a la Dahlia et voilà. Ça va pour... compatible avec certaines machines. La 6X, la Big Tic, la Big Shot et la Vagabond. Et c'est Dahlia, c'est des Ellison, c'est de 6X quoi, de 2018. Et je le fais à 4 euros. Voilà. Voilà, et après, bah, si j'ai une autre vidéo, à force de faire le tri, je trouverai peut-être autre chose. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous faites du vide atelier quand même, s'il y a des articles qui vous plaisent, je vous mets tous mes liens en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.